C'est depuis plus de 2 ans que la population de Filou, à hauteur du rond-point de Moumi, vit dans un calvaire. La voie bitumée est totalement dégradée. Les véhicules qui tentent de faire ce tronçon s'embourbent chaque jour. À côté, c'est de jeunes gens qui sauvent les meubles en réparant avec les moyens du bord la voie pour faciliter tant soit peu la circulation, moyennant une pièce de 100 francs ou plus. Mais là encore, le tout dépend de l'humeur de ceux qui sont au volant. Bon, ici là, si la pluie tombe là, vraiment ici là, ça marche pas. Tu vois comment, non? Mais nous, on prend les pierres, on met ici. On cherche les pierres, on met ici. Après ça, on la ferme, le bus là, il donne 100 fois, 100 même 50 fois. Mais là, ça peut marcher. Il y a le président ici. Soit disant ici, il y a le maire. Mais il faut ranger la route. Si tu vas aller, si tu vas rompre mon remis là-bas, vraiment c'est gaspillé. Ouais, mais on a constaté que notre chiffre d'affaires a baissé, on ne peut pas payer le loyer, on ne peut pas faire face aux impôts ni à certaines taxes. Puisqu'on n'a pas de clients, en ce moment-là, on fait quoi? On est obligé de fermer. Alors que quand les véhicules passaient, quand il y avait des usagers, les gens passent, on a un mot, on avait une clientèle stable et fiable. La voie endommagée n'épargne pas aussi cette maison de couture. On a de la peur parce que les clients ne viennent plus. Notre voie, on a des difficultés. Les clients passent de l'autre côté. On a des problèmes pour ça et on s'inquiète beaucoup pour ça. Pendant ce temps, c'est avec l'argent là que notre maman paye le loyer. Par ailleurs, le rond-point construit à Moumi, à Filou, dans le 7e arrondissement de Brazzaville, est resté comme une tombe.